Donc aujourd'hui, on va rencontrer Monsieur Samir Chouqi, le directeur de publication des Échos, Inspiration. C'est un passionné de journalisme. Il a une carrière atypique, vu qu'il était banquier. Et c'est aussi un passionné de football, particulièrement de l'équipe de Raja. Et du Barça. Et du Barça aussi. Vous risquez de perdre quelques fans, on le dit. Ok. Et donc, on va commencer. Monsieur Samir Chouqi, on aimerait connaître un peu votre parcours. Comment on passe de la banque au journalisme? Bon, le parcours ou ma relation avec le journalisme a commencé déjà en 1990. J'étais banquier, oui, mais j'avais cette passion de lecture et d'écriture. À cette époque-là, j'écrivais beaucoup dans ce qu'on appelle le courrier des lecteurs, notamment dans l'opinion, donc à l'époque, l'opinion des jeunes, qui était un support phare pour notre génération. Après, je suis passé à l'écriture directe, en freelance, avec un certain nombre de supports. Comme je suis passionné du sport, j'ai commencé avec le support arabophone Le Montachab, et j'étais freelance, mais tout en étant banquier, et j'ai exercé une passion au quotidien de cet amour au sport. Je le faisais gracieusement, mais avec énormément de plaisir. Ça a duré quand même 4 années, et puis après, je pense en 1996, j'ai basculé vers la presse économique parce que c'était un peu mon élément. Comme je suis banquier, je me retrouvais beaucoup plus dans l'économie. C'est aussi pour diversifier ma passion envers la presse. Donc j'ai commencé toujours en freelance, dans quelques supports francophones et arabophones, dans lesquels j'écrivais tout ce qui concerne la bourse. À cette époque, la bourse connaissait un boom et une explosion sans précédent, et dans toutes les thématiques économiques et financières. Donc ça a duré quand même 5 années, et en 2001, tout en restant banquier, donc j'ai lancé avec mon ami Nordi Muftah l'hebdomadaire L'AYM, donc en étant tous les deux cofondateurs et co-associés. Et c'était une belle aventure que de contribuer au lancement d'un support. C'est une expérience inédite que j'ai vécue avec beaucoup de plaisir. En 2006, une opportunité s'est présentée, et c'était quand même quelque chose de très sérieux au niveau de la presse, avec le lancement du quotidien arabophone Le Messa. Donc, mes amis Rachid Nini et Tofiq Bouchrine m'ont demandé de les rejoindre dans cette aventure, et parce qu'ils avaient besoin, eux, ils sont des journalistes, ils avaient besoin d'un gestionnaire. Donc, de par mon expérience de banquier, je devais assurer la direction générale et le développement de ce quotidien pour devenir à moyen terme un groupe de presse multimédia. Alors, cela veut dire que c'est un challenge et c'est du sérieux. Et ça, je ne pouvais pas le faire en freelance parce que ça requiert une concentration et un travail de 15-16 heures par jour. Donc j'ai dû quitter la banque après une carrière d'une vingtaine d'années, comme je disais toujours à mes amis, à ma famille. Donc j'ai fait le choix du cœur plutôt que le choix de la raison. J'ai quitté la banque et puis on a lancé ensemble le MSA, et ça a été un succès sans précédent que tout le monde connaît, et on a rapidement été premier organe de presse au Maroc, et on a atteint des pics historiques avec des ventes kiosques atteignant jusqu'à 150 000 exemplaires
avec un numéro. On a vendu 187 000 quand même, c'était le jour du décès de Driss Mesrine. Donc, c'est une expérience qui a réussi et qui a forgé aussi mon expérience par rapport à la presse d'une manière générale. Et puis, ça a duré 3 années quand même. 3 années riches en challenges, en défis. Puis en 2009, j'ai dû quitter le groupe pour lancer mon propre support et revenir aussi à mes origines de financier. Donc en lançant le quotidien Les Inspirations Éco. Et là aussi, c'est une expérience d'une autre dimension dans la mesure où la presse spécialisée, économique spécialement, est une presse qui te permet de rester collé à la réalité de ton pays au jour le jour, de mesurer les efforts de développement déployés par l'État, par les gouvernants, et aussi d'apprécier, aussi de constater, souvent amèrement, des échecs et des flops constatés par-ci et par-là, aussi bien par l'économie que par la politique du pays. Donc voilà, globalement, je vous ai brossé un tableau de ce qui est mon parcours sur, je dirais, les 20-25 dernières années.